J'ai envie de dire j'ai la chance, mais à vrai dire je suis un peu intimidé, je le dis sincèrement. J'ai à côté de moi Michel Duchossois, et c'est quand même, je suis sûr qu'il ne m'en voudra pas, c'est quand même plusieurs décennies de théâtre, de cinéma et de télévision qui me regardent. Michel Duchossois, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors première question. Soyez pas intimidé, hein, c'est moi qui suis intimidé pour chaque interview de toute façon. Après toutes ces années d'expérience. Ça sert à rien l'expérience. À chaque fois, c'est une première interview. C'est la première fois que je vous vois, c'est la première fois qu'on se parle. Alors, voilà. Eh bien, ça me rassure. De là à pas bafouiller, on va voir. Première question, quelle est la raison que nous votre présence ici à Luchon? Alors, la raison, ben, il y a deux raisons valables que je peux avouer. Une qui était la présentation ce matin d'un téléfilm réalisé par Bernard Laïc d'après un roman de Georges Simenon, qui est Le Voyageur de la Toussaint, était produit par La Troie. Et demain, la présentation d'un film pour Arte, qu'on a tourné, j'ai eu la chance, au Chili, réalisé par Jean-Marc Brandolo avec Frédéric Pierrot. Et voilà, donc il y avait deux films qui étaient présentés, donc c'était une raison valable pour être présent. Avouable, vous avez dit. Voilà. Vous avez dit avouable. Oui, avouable, oui. Très bien. Vous n'êtes pas sans savoir, on en discutait tout à l'heure. Enfin, pour terminer, on a les dates de tournage ou pas? De l'adaptation de Simenon? Les dates de tournage, les dates de passage, pardon? Non. Pas encore. Je sais même pas si c'est arrêté. D'accord. Je ne sais même pas, je sais pas du tout, non. Okay. Donc deuxième question, vous n'êtes pas sans savoir qu'à castingsurf.com on s'adresse aux comédiens et j'aimerais qu'on parle du métier, de votre métier, et on va commencer par le début, votre formation. Quelle est votre formation? Alors, formation du métier, j'ai eu un conservatoire de province à Lille. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était formidable, qui est un professeur que j'ai toujours regretté après, qui s'appelait Maurice Cotinet. Il était directeur de l'opéra, il avait été comédien, et je me suis rendu compte par la suite, en rencontrant d'autres professeurs, que lui était vraiment un très très grand pédagogue et un excellent professeur. Bon, après il y avait un service militaire, et en rentrant du service militaire à Paris, ben, j'ai eu la chance d'entrer au conservatoire, et là j'ai eu le bonheur d'être avec Fernand Ledoux pendant 3 ans, Fernand Ledoux, Jean Meyer, et puis être stagiaire à la Comédie-Française, où j'avais aussi les conseils d'Henri Roland, de Robert Hirsch, de Charon, bien sûr, voilà. On vous a vu, on vous voit à la télé. Moi, j'ai l'impression qu'on ne vous voit pas à la télé depuis si longtemps que ça, en fait. Est-ce que ça a commencé dans les années 80? Je me trompe ou pas, la télé? Ah, oh non, j'ai commencé les télévisions avant Avant? 80. J'ai même eu la chance de travailler avec Claude Santelli sur le petit théâtre de la Jeunesse. Donc, c'était de vidéo et c'était en noir et blanc. C'était en sortant du conservatoire, d'ailleurs. C'était en 64. C'était David Copperfield avec Bernard Verlet, René Faure, une distribution absolument éblouissante. Galabru, Marguerite Cassan, Jean Tissier, Marcel Pérez, Michel Aumont, qui était en même temps que moi au Français à ce moment-là, et plein de gens formidables. Donc, j'ai fait de la télévision à partir de 64, enfin, tout de suite en sortant du conservatoire, et du cinéma un petit peu après avec Alain Jessua, la première année où j'étais au Français, le premier film qui était Jeu de massacre. Et j'ai eu un coup de chance formidable puisque le premier film était sélectionné pour Cannes. Donc ça a aidé beaucoup, puis de là la rencontre avec Chabrol, et puis les choses se sont enchaînées, et puis les rôles petits, beaucoup de petits, et beaucoup de rôles un peu plus importants à la Comédie-Française, et donc avec des télévisions et quelques films, voilà. Est-ce que vous faites une différence dans la manière d'aborder un personnage d'une fiction télé et d'une fiction en pellicule au cinéma? Non, tout ce qui est tournage, je ne fais pas tellement de différence, mais de toute façon, comme beaucoup de comédiens, comédiennes, j'ai très très besoin d'un metteur en scène, c'est-à-dire de quelqu'un en face de nous qui nous aide, qui nous dirige et qui nous canalise un petit peu dans ce qu'on peut faire. Mais je ne vois pas la différence personnellement entre le tournage télévision ou le tournage cinéma. Il y en a qui sont plus ou moins aisés, que ce soit production télé ou production cinéma, où il y a du temps, donc un plan de travail
qui est plus agréable, plus confortable. Et puis, malheureusement, maintenant, mais c'est la loi, c'est normal, des budgets qui font qu'il faut aller vite. Alors, on a l'impression que c'est un petit peu au détriment, mais à ce moment-là, c'est au metteur en scène et au comédien de ne pas prendre en compte cette partie budgétaire et puis d'essayer de faire au mieux, sinon le mieux qu'on peut à chaque fois. Ça dépend des comédiens. Ça dépend beaucoup de l'histoire, hein. Mais ça, donc, tout ça dépend essentiellement du metteur en scène. Pour moi, il n'y a qu'un chef sur un plateau, c'est le metteur en scène. Parlons un peu de votre manière de travailler. Je pense à la télé. Enfin, vous remarquez au cinéma, puisque vous me dites vous-même que vous ne faites pas de différence. Est-ce que vous apprenez vos textes? Est-ce que vous prenez le temps de les apprendre et de les ingérer, ou vous travaillez plus dans la spontanéité? Non, je ne crois pas tellement en la spontanéité. La spontanéité, tout ce qui est théâtre, cinéma, télévision, la spontanéité, c'est quelque chose, on doit en donner l'impression, mais pour en donner l'impression, c'est quelque chose qui se travaille beaucoup en amont. Donc, je ne suis pas particulièrement un bosseur, mais enfin, les textes, bien sûr, je les apprends longtemps avant, j'arrive... Je touche du bois pour arriver texte dessus et ne pas avoir de problème de texte au moment de jouer, parce que si on a un problème de texte quand on joue, on pense au texte, on pense pas à la situation ni au personnage, donc c'est foutu, c'est inutile. Donc oui, je travaille beaucoup en amont, et puis voilà, je répète, j'imagine la veille du tournage ou le matin du tournage, et de temps en temps, ce que j'ai imaginé, c'est pas du tout ce qu'on va me demander au moment où on dit moteur, mais enfin voilà, faut s'en arranger, c'est ça. Essayer d'être le plus souple possible et puis d'être disponible. Voilà. Qu'est-ce qui a dirigé, qu'est-ce qui a fait vos choix dans les rôles, à la télé comme au cinéma, comme au théâtre d'ailleurs? Vous savez, très sincèrement, ce sont les propositions. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on me propose un rôle, je suis étonné, parce que, étant donné que j'ai jamais eu d'emploi, parce que je n'ai pas un physique ni de valet, ni de jeune premier, ni tout ça, enfin maintenant, je suis plus branché vers les pères âgés, voire les grands-pères. Alors c'est peut-être plus facile, mais avant, j'étais toujours étonné quand on me proposait le rôle de quelqu'un qui devait être amoureux ou quelqu'un qui devait être salaud. Au français, dans tout ce que j'ai joué, il y avait un petit peu de tout. Je remplaçais un petit peu tout le monde. Donc c'était une gymnastique formidable et très agréable. C'est-à-dire que j'avais pas un emploi particulier, donc je me déplaçais, j'allais d'un rôle à un autre. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes rentré par la petite porte ? Oui. Petite porte, grande porte, je sais pas. Avec les prix de conservatoire, bien sûr, la Comédie Française était grande ouverte, mais c'était Maurice Escande qui était administrateur à ce moment-là. J'avais donc eu deux premiers prix à l'unanimité et un prix d'excellence. Et Escande, qui était un être formidable, m'a dit « Je suis obligé de t'engager, mais j'ai rien du tout à te faire jouer. Mais enfin, comme tu as des prix, je suis obligé de t'engager. » Et Ledoux, qui était mon professeur, m'a dit « j'avais 25 ans quand je suis sorti du conservatoire. » Il m'a dit « Tu commenceras à avoir des rôles intéressants vers l'âge de 40-45 ans. » Alors c'est vrai que pendant toute cette période, j'ai attendu, et puis j'ai fait un petit peu de tout, j'ai joué un petit peu de tout, voilà. Si vous ne faites pas de différence dans la manière d'aborder un rôle télé-cinéma, est-ce que c'est le même plaisir au final ? Le plaisir, on peut l'avoir à la fin d'une représentation, ou bien une fois que le film, ou que le téléfilm a été diffusé, et c'est l'écho qui nous est renvoyé par les gens, les spectateurs ou les téléspectateurs qu'on croise dans la rue et qui nous disent « j'ai aimé », je vous aime bien, ou bien alors de temps en temps, ah pourquoi vous avez fait ça, c'était très mauvais, j'aime pas ça du tout, vous avez tort, faut pas faire des trucs comme ça. Donc c'est ça le plaisir, c'est pas tellement une satisfaction personnelle au moment où on tourne, c'est le résultat du travail, c'est de voir les gens pour lesquels on travaille que pour des spectateurs, hein. C'est le verdict, c'est le jugement, les gens nous aiment bien. Et puis les producteurs finissent par le savoir et on est réengagé, ou bien les gens nous aiment pas du tout, et effectivement les réalisateurs et les producteurs finissent par le savoir, puis on n'est pas engagé. Voilà, c'est tout. J'ai envie de conclure là-dessus.
Humilité, ouverture, écoute de l'autre. Ah oui, ah oui, bien sûr. Michel Duchossois, merci beaucoup. Merci.